cette conférence de presse d'avant-match, le match comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy 2021. Opposant, on mettant aux prises la sélection camerounaise aux Comores. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'avoir parmi nous le head coach du Cameroun, Tony Kansessa Oliveira, bienvenue. Nous avons aussi l'honneur d'avoir parmi nous Ayon Gobitolo, bienvenue. Si vous le permettez, je poserai la première question pour le coach. Donc vous affrontez les Comores à ce niveau de la compétition. Qu'est-ce que vous savez précisément sur votre adversaire du jour et comment vous vous y êtes préparé? Pour le joueur, parlez-nous un peu de l'ambiance au sein de l'équipe. Et on a vu que vous avez une ambiance assez sereine, assez festive. Comment vous parvenez à la fois de garder cet équilibre, bonne ambiance et concentration sur les matchs? Bon après-midi à tous. Concernant notre adversaire de demain, nous savons que nous allons jouer contre l'équipe, n'est-ce pas, des Comores, on l'a appris. Nous avons essayé de recueillir des informations, on a visionné les matchs de cette équipe, on a vu ses points positifs et ses points négatifs. Et ce que nous voulons faire, c'est un jeu extrêmement compétitif, parce que nous allons également affronter une équipe difficile. Et il ne s'agit pas d'une équipe qui a un grand nom, mais il s'agit d'une équipe très compétitive qui est venue à la CAN grâce à sa compétence et qui affronte cette étape, qui est à cette étape. Donc, c'est une équipe qui a une bonne organisation, une bonne dynamique et nous devons travailler plus pour atteindre notre objectif. Et notre objectif, clairement, est de gagner. Et relativement à l'ambiance au sein de l'équipe, cette ambiance est restée positive. C'est un groupe de joueurs avec lequel je travaille depuis environ 2 années. Et la vérité est qu'en ce moment, je peux dire avec grande satisfaction que nous avons une ambiance positive et cela nous permettra donc d'affronter nos adversaires sereinement. On va continuer donc à maintenir cette ambiance. Pour son comportement social et sportif aussi, évidemment. Ça revient tout le temps, comment l'équipe nationale vit, c'est quoi l'état d'esprit, on voit avec la joie, la facilité. Pour moi, c'est important que, avant les matchs, qu'on puisse avoir des ondes positives pour pouvoir gagner des victoires. Et je pense que avec ça, ça nous permet d'avoir une certaine sérénité, une harmonie, une cohésion avant les matchs et même après. Et si le groupe vit bien, je pense qu'on peut gagner toutes les équipes. Merci. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Je voulais vous poser une question sur André Onana. Il y a quelques critiques contre André Onana. Je trouve que c'est un très bon gardien, notamment sur sa ligne. Il a effectivement raté une ou deux sorties aériennes. Mais je voudrais parler, vous demander, est-ce qu'il y a un choc un petit peu culturel? Parce qu'André Onana, c'est le gardien de l'Ajax. Il joue très haut, il participe beaucoup, beaucoup au jeu. Il fait énormément de relances. C'est presque le 11e joueur de champ de l'Ajax. Et est-ce que c'est difficile de lui faire jouer le même rôle au Cameroun? Parce que les Camerounais qui ont connu énormément de très grands gardiens sont moins habitués à ce rôle de gardien moderne. Merci. Il y a des critiques. Je crois que certaines de ces critiques ne sont pas justifiées. Vous savez, André est un gardien populaire et bien connu au Cameroun et à l'extérieur. Il a évolué avec le football comme il se joue en Europe. Et même au niveau de l'équipe nationale, je pense que les gardiens de but, c'est là qu'ils font les premières lances. Et je crois que c'est ce rôle qu'on en a joué. Alors pour ce qui est des critiques, je crois qu'il y a un entraîneur de gardien de but qui travaille en collaboration avec moi et connaît bien André. Et je crois qu'il s'agit là d'un gardien de but de niveau mondial. Bon, ces critiques dont sont injustifiées et n'ont pas de sens parce que André est un gardien de but qui a, n'est-ce pas, une bonne trajectoire dans le football européen qui est à la hauteur. Je crois qu'il s'agit simplement d'un problème culturel. Certains ne sont pas habitués à sa façon de jouer. Et moi, je suis un entraîneur, je prends des décisions et je crois que pour moi,
moi, j'ai choisi les meilleurs pour les équipes, pour l'équipe. Et je sais qu'il y a parmi ces joueurs-là, c'est qui, n'est-ce pas, ont un bon niveau. C'est un joueur qui joue au football à travailler. C'est une équipe qui joue au football organisé. Et je crois que le gardien de but a de nouvelles fonctions. Je crois que nous n'allons pas modifier les règles du jeu. Donc, cela est notre principe pour le moment. Regra à meio do campeonato, não vamos mudar os nossos princípios de forma alguma. Bonjour, coach. Bonjour, Andrés. Marc Chouanot, canadien international. Question d'abord pour le coach. Quand vous avez utilisé 24 joueurs sur les 28 que vous avez à disposition depuis le début de la compétition, c'est l'équipe qui a fait le plus. Depuis le départ, on a vu 3 matchs, 3 changements dans les différentes compositions de départ. Est-ce que pour ce match contre les Comores, vous avez finalement fait le tour et vous avez dit, eh bien, on peut commencer avec désormais une équipe de base. Et puis pour Ambroise, c'est la première fois grande compétition avec le Cameroun depuis que vous avez remporté la CAN, depuis que vous jouez en 2015 la CAN, que vous avez un statut de remplaçant. Comment est-ce que vous le vivez concrètement? Merci. Merci Marc, merci pour ta question. Je pense que je suis camerounais. Et voilà, je ne suis pas le seul. Aujourd'hui, si j'occupe la place de remplaçant, c'est que celui qui a ce poste, il le fait bien, il fait bien le travail. Et voilà, il faut l'encourager. On est des Camerounais, on veut remporter à la CAN chez nous. Je pense que ce n'est pas le moment de pouvoir parler de titulaire ou pas. Il y a le temps, je sors d'une longue blessure. Ça m'a pris du temps pour revenir, grâce à Dieu, je suis là. Je vais continuer à travailler et être au service du groupe et au service du peuple camerounais afin qu'on aille plus loin et qu'on remporte. Bon, quant à la pregunta que me fez. Il y a quelques modifications. J'ai fait environ 2 changements par jeu. Et je pense que nous avons des stratégies à mettre en œuvre dans cette compétition. Alors, il est question de savoir gérer. Nous devons motiver les joueurs, gérer le groupe. Il y a 28 joueurs qui sont là, ils sont méritants. Et ils savent qu'à tout moment, n'est-ce pas, ils doivent savoir qu'ils peuvent jouer. Et ils ont la confiance, n'est-ce pas, de l'entraîneur. C'est le message que nous passons aux joueurs. Donc, nous avons fait 2 ou 3 modifications par match et sur un plan stratégique. En vue de bien gérer, n'est-ce pas, les joueurs pour éviter notamment des cartons et autres. Le joueur qui n'a pas joué la dernière fois peut avoir eu un carton jaune au match précédent et on ne le classe pas pour le protéger. Choupo-Moting, par exemple, Onana, ce sont des joueurs que nous devons gérer en termes de groupe. Et donc, il y a des stratégies au-delà de tout cela que nous voulons mettre en œuvre. Alors, il y a des risques vers la fin des matchs et nous savons que, par exemple, on peut mettre des joueurs qui ont des capacités offensives et d'autres joueurs qui vont apporter davantage de climat en termes de positionnement. Et en fonction donc, de la structure offensive de l'équipe, nous classons tel ou tel joueur. Et donc, nous avons dû rencontrer certaines difficultés, par exemple, au niveau des transitions par rapport aux attaques de l'équipe adversaire, parce que nous avons joué contre des équipes très offensives. Et donc, on a dû analyser l'adversaire, et on a dû adapter des stratégies en renforçant par exemple le milieu du terrain pour contrôler ces zones du terrain et que nous puissions également maîtriser l'adversaire. Donc ce sont des dynamiques là qui amènent à prendre nos décisions. Nous devons rendre l'équipe, mais pour le reste on continue de motiver les joueurs en leur disant qu'ils sont au service de l'équipe et qu'ils peuvent être appelés à tout moment à entrer en compétition. Non, tem aqui que ver como premiar este ou aquele, mas sim motivar todos os jogadores para que possam estar ao serviço da equipa e que possam, quando forem chamados, dar o melhor de si. Bom dia, mister. Bonjour, Renaud, CAF Online. Face à cette gestion que vous venez d'évoquer, comment est-ce que vous gérez la pression? Parce que nous savons qu'il y a de la pression sur tel ou tel joueur, de façon particulière. Quand on est dans une épreuve ou alors dans une compétition de cette dimension, la pression vient de partout, qu'il s'agisse de l'Afrique, de l'Europe et partout. Il y a toujours ces facteurs qui doivent être pris en compte. Et je dis, cette pression existe, nous
n'avons pas la prétention de la diluer, mais nous faisons des efforts, n'est-ce pas, de la maîtriser, parce qu'on maîtrise notre joueur. Et nous avons confiance en nos joueurs, parce que nous leur disons que quels que soient les adversaires que nous devons affronter, on doit les affronter avec confiance et motivation. Et nous savons également que les 25 millions de Camerounais nous observent. Donc je voulais dire que c'est une pression positive de notre point de vue, et parce que nous, tout le monde veut gagner. Et nous devons nous préparer, n'est-ce pas, à continuer notre parcours. Et c'est ce que nous avons fait jusqu'ici. Nous sommes tous ensemble à préparer, n'est-ce pas, ce parcours pour que nous puissions arriver jusqu'au 6 février. Nous savons que ce n'est pas facile du tout. Et c'est à cela que nous nous préoccupons. Donc nous cherchons à poursuivre avec cette ambiance qui existe au sein de l'équipe, pour que nous puissions être concentrés sur le travail que nous abattons vers la finale. La équipe, pour que nous puissions être concentrés et focus sur notre travail. Bonjour, Olivier Pran de RFI. Ma question s'adresse aux deux, à Ambroise et au coach. L'équipe des Comores est annoncée très diminuée au moment où on se parle. 12 joueurs testés positifs. Il y aura des tests qui seront faits demain. Et potentiellement, pas de gardien. Donc peut-être un joueur de champ dans les buts. Est-ce que ça change quelque chose dans la préparation? Encore une fois, question pour le coach et pour Ambroise. Est-ce que dans l'état d'esprit, ça peut changer quelque chose, le fait qu'on ait en face de soi un joueur de champ qui soit gardien? Je pense que le problème, c'est pas l'adversaire. Le problème, c'est nous. Il faut qu'on pense à nous. Et voilà, quand une équipe est diminuée, elle devient encore plus forte. Donc, il faut que nous on respecte l'adversaire, peu importe la situation. Il faut qu'on pense à nous, qu'on essaie de travailler pour gagner. Parce que là, à partir de ce soir, les matchs qui vont commencer, et nous demain, je pense que c'est une phase éliminatoire directe. Donc, si nous on ne prépare pas bien le match, si on ne respecte pas les adversaires, peu importe la situation, je pense que même le ciel va nous tomber dessus. Donc, le seul problème, c'est nous. Je suis partiellement d'accord avec ce que Ambroise vient de dire. On doit se préoccuper davantage de notre équipe. Il est évident que nous devons évaluer l'adversaire, ses capacités, ses forces. Mais indépendamment de tout cela, nous devons savoir comment faire notre travail. Et comme Ambroise l'a dit, qu'il s'agisse des Comores ou toute autre équipe, nous, si nous allons de façon relâchée en disant que l'adversaire est diminué, on peut avoir une surprise négative et nous ne voulons pas de surprise négative. J'ai déjà parlé de cela avec les joueurs. Nous devons entrer sur le terrain dès la première minute et gagner. Concernant la situation de la COVID, malheureusement, plusieurs équipes ont été affectées, que ce soit celles qui ont été éliminées ou celles qui sont encore en lice. Mais pour nous, j'ai déjà dit ici, il y a de cela 15 jours, que notre département médical et de sécurité doit être félicité parce qu'il a créé une bulle pour protéger notre sélection et en empêchant, n'est-ce pas, toutes les possibilités d'enregistrer des cas de COVID. Et heureusement, pour nous, je crois que c'est le cas jusqu'ici, l'équipe est protégée par cette bulle et par cette capacité, ces conditions de sécurité qui ont été créées au sein de nous. Je pense que jusqu'ici, nous avons peut-être pu avoir quelques petits problèmes au début, que nous avons résolus et je crois que nous avons sauvegardé et on entend continuer dans ces mêmes conditions jusqu'à la fin de la compétition. Tivemos alguns problemas no início, que resolvemos. Até o momento estamos salvaguardados e espero continuar assim até o final do torneio. Bonsoir, coach. Tout à l'heure, vous avez parlé de la gestion de l'effectif. Je vais revenir sur le cas de notre métronome numéro 11, Ambouanguissa. Est-ce que vous y avez parlé? Parce qu'on a quelque peu l'impression que depuis le début de la compétition, il n'est pas dans le coup. Est-ce que vous avez une discussion avec lui pour peut-être l'aider à véritablement déployer tout le potentiel qu'on lui connaît parce qu'on sait qu'il est capable de faire de grandes choses? Oui, cette question m'a déjà, je crois, été posée dans ce même cadre il y a de cela quelques semaines, voire quelques jours, concernant la situation de certains joueurs. Ou alors, je ne suis pas d'accord avec ce que vous venez de dire de toute façon, avec votre affirmation. Parce qu'il est évident que nous sentons tous que l'équipe peut faire mieux
fondamentalement au niveau de l'organisation défensive. Et pour que cela survienne, tel ou tel joueur peut améliorer son rendement, n'est-ce pas, pendant la compétition. Sur un point de vue global, parce que j'aime beaucoup parler de l'équipe dans sa globalité, l'équipe a présenté, a fait monter un bon niveau. Il y a eu quelques variations, mais le niveau général est bon. Bon, les critiques, bon, vous pouvez les faire. Moi également, j'ai ma façon de faire mes critiques. Je cause avec les joueurs avant et après les matchs et lors des entraînements notamment. Et je pense que nous essayons de corriger une ou deux choses dans nos conversations, n'est-ce pas, visent à rentabiliser les joueurs, à les rendre plus compétitifs. Et c'est pas seulement le cas d'Anguissa, mais également tous les joueurs qui se sont qui entrés en lice, qui ont également rencontré un certain nombre de difficultés. Je crois qu'ils vont monter en puissance pour montrer de quoi ils sont capables. Mais parce que les difficultés à prova vont augmenter et nous devons avoir la capacité de les résoudre. Thank you very much. Jeanne by Head of Sports, Cameroon Radio. Coach, my question goes to you. You've come under some criticism for the rotation that you've been doing, especially with the centre-backs. We've played three games, three different centre-back pairings, and we've considered three goals in those three games. Could you talk to us a little bit? What's the philosophy behind all of these changes and all the rotations? And a quick one to Ambroise is, you've played Cape Verde twice in official games. You've won once. We all know the issues that there's within the Comoros team, rather. But talk to us, what's the ambition like within the team? Do you guys see yourself already in the quarterfinals, or the task at hand is really to get a convincing win against Comoros, cognizant of what happened against Cape Verde? Are you speaking French? L'équipe de Comoros, on les a joués, je pense, deux fois. Et c'est pourquoi je dis que ça sera un match difficile, parce que c'était les qualifications pour la dernière CAN en 2019, où ils avaient porté réserve pour qu'on soit éliminé. Et voilà, on a fait match nul, on avait fait match nul chez eux, et après on a gagné à la maison. Je pense qu'il y a, une revanche à plus, et ils vont tout faire. Peu importe la situation aujourd'hui, le Covid, avec ou sans, je pense qu'il y a une revanche au fond du cœur. Mais voilà, nous on reste au Cameroun, il faut qu'on se fasse respecter, il faut qu'on respecte les adversaires, il faut qu'on respecte les Comores, mais que voilà, qu'on ait le meilleur résultat, comme le coach dit souvent, gagner, gagner et gagner. Donc c'est le seul résultat qu'on doit penser pour demain. Bon. Concernant la question qui m'était posée, j'ai déjà répondu à cette question pour ce qui est, n'est-ce pas, des changements. Mais je crois qu'elles sont relatives à l'équilibre que je veux mettre dans mon équipe. Vous savez, nous faisons des modifications, on a changé au milieu du terrain. Et je crois que les joueurs arrière sont les mêmes. Et donc, on a changé de joueur parce que nous oublions. Il était important, fondamentalement, de modifier, de dynamiser le milieu du terrain. Donc, il fallait à la fois avoir des joueurs offensifs et des défensifs. Et cela entrait dans notre stratégie par rapport à cette rencontre précise. Donc, voilà ma réponse à cette question. Oui, bonjour. Cédric de Libra de RFI, une question pour Ambroise. Donc vous allez encore affronter une équipe avec beaucoup de cas de Covid. C'était déjà le cas face au Burkina. Et vous, toujours aucun cas de Covid. C'est quoi votre secret, en fait? Notre secret, on fait attention. Déjà, nous sommes légers. Je pense que personne n'aimerait vivre là-bas. Je pense qu'on est, loin de la ville. Et on fait très attention. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de visite. Donc le médecin il fait ce qu'il a peur et nous on fait attention parce qu'on sait que on a besoin de tout le groupe pour pouvoir finir la compétition. Donc le cas Covid c'est pas nous, c'est nous on fait attention et le doc aussi fait son travail. Evariste Higa pour la CRTV. Coach, je souhaiterais que vous nous disiez un mot sur l'organisation du milieu de terrain dans son rôle de ravitaillement de l'attaque. Observation faite. On passe beaucoup par les côtés avec principaux animateurs à la gauche, Nutolo, à la droite, Fay Collins. Cela a si bien fonctionné que lors du deuxième match contre l'Éthiopie, on a eu un score assez important. Mais dès la troisième journée, en revanche, on a l'impression que
le Cap-Vert avait effectué un visionnage. Ils avaient observé que ce sont ces deux couloirs qui permettaient de ravitailler Vincent Aboaka pour qu'il puisse marquer. Question. Donc, immédiatement, on a choisi de quadriller ces milieux de couloirs, ceux qui évoluent pour venir ravitailler l'attaque. Et quand on quadrille, du coup, les attaquants sont coupés de balles. Quelle est la solution qu'on trouve si Zambouangui, ça, de temps en temps, est hésitant? Merci. Esteve atento ao nosso jogo com Cabo Verde. Si vous regardez notre match contre le Cap Vert, il faudra regarder le match que le Cap Vert a joué avant de nous affronter. C'est comme ça qu'ils se sont, avec deux milieux défensifs et trois attaquants. Dans cela n'a rien changé. Ce que je voulais dire, c'est que contre nous, dire que le Cap Vert a joué avec 11 joueurs à partir des 30 mètres, il est facile de jouer à partir du milieu du terrain et avec 11 adversaires de l'adversaire. Donc, ce n'est pas facile de toute façon de réussir à jouer de cette façon. Malgré tout cela, l'équipe du Cameroun a eu un volume offensif important. C'est vrai qu'on a créé beaucoup d'occasions de but, on a eu un but et on a créé d'autres occasions pour marquer également deux autres buts. Cela n'a pas été possible. Le problème de ce match est qu'on ne voulait pas gagner par 1-0. Si on avait gagné par 1-0, autant pour moi, ce problème ne se poserait pas. Mais ça n'a pas été le cas. Et probablement, ces questions n'existaient pas. C'est Nick Cavill, BBC World Service, pour Oyongo Botola. How do you, as players, when you meet and discuss, how do you deal with the pressure of being the home crowd behind you and being playing on home soil? And also, I was wondering if you could say a word about the tragedy this morning at the nightclub, please. Déjà, au Cameroun, on joue toujours avec la pression. Donc, je pense que c'est pas pour nous. Ça nous permet de faire des bons matchs, de bonnes prestations. Après, pour la suite, la tragédie qui s'est passée ce matin dans une boîte de nuit sur Cameroun, au live. Je souhaite mes condoléances, j'adresse mes condoléances à toutes les familles éprouvées et aux propriétaires de cette boîte de nuit. Je pense que nous, on ne peut rien faire à part donner des victoires, donner de la joie aux Camerounais. Ça fait mal de parler de ça à la conférence de presse parce que on va tout mélanger entre ce qui s'est passé dehors cette nuit et du match de demain. Ça fait très mal. Et voilà, depuis ce matin, depuis le réveil, tous mes collègues, tous mes coéquipiers, ils sont touchés par rapport à cette tragédie. Et pour demain, je pense qu'on va... On va essayer d'une autre manière de faire un peu oublier aux familles éprouvées ce qui s'est passé. Encore au nom de l'équipe nationale, nous souhaitons les sincères condoléances à ces familles. Je vais m'arrêter là parce que voilà, je peux pas continuer. Merci. Voilà donc Ayongo Amboise qui fait part de ses condoléances et des condoléances de ses coéquipiers aux familles et proches des victimes de ce drame. On prendra la toute dernière question. Bonjour Ambroise, Emmanuel Baranguet de l'AFP. Alors je voudrais terminer sur une note un petit peu plus positive si on peut. Je voulais savoir si dans l'équipe vous étiez des fans de Francis Ngannou, si ça vous aviez regardé le match, je pense pas à cette heure-là, mais si ça vous portait un peu, si vous en parliez entre vous et que vous vous disiez que les Camerounais, ils avaient le Hemlé et la victoire. Ouais, le Cap, c'est le Hemlé, c'est la victoire, c'est la joie de vivre. Et Francis, c'est un lion. Je pense que toute la journée d'hier, on a été focus sur le combat parce que c'est un lion comme nous qui défend non seulement le Cameroun mais aussi l'Afrique. Et il nous a fait plaisir cette nuit. On est content, tous les Camerounais sont contents de cette victoire-là. On garde la ceinture. Et voilà, félicitations à notre frère Ngannou. Voilà, donc je pense que les joueurs ont vu la rediffusion ce matin, c'est bien ça? Ouais, toute la journée, jusqu'à, je pense, 22h. Après, il y a couvre-feu pour dormir parce que demain, il y a un match. Voilà, merci beaucoup et bonne chance vraiment pour votre prochain match. Merci beaucoup. Merci.